أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على طب القلوب ودوائها محمد عليه الصلاة والسلام. لونج الله سبحانه وتعالى بريغي بسيو نوتر بيان إيمي محمد بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. Aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui est important, qui est la légitimité des savants. D'où tirent-ils leur légitimité? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez donc aux érudits si vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? الله سبحانه وتعالى دين القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru, qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Dans un autre verset encore: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui jusqu'à la fin du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, a formé des spécialistes dans différentes matières et les a désignés en tant que tels. Mu'adh ibn Jabal, faqih ummati. Mu'adh ibn Jabal est le juriste de ma communauté. Il a désigné des lecteurs. Celui qui veut le Coran, il va chez Mu'adh ibn Jabal. Celui qui veut la jurisprudence, il va chez Mu'adh ibn Jabal aussi. Et celui qui veut le Coran, il va chez Ubay ibn Ka'b. Il va chez Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhum ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Concernant la deuxième question, qui est: quel est le parcours d'un imam, d'un savant, d'un faqih? C'est une question importante qui va nous faire comprendre qui est ce savant et qui est cet imam et qui est ce faqih. L'étudiant en religion, pour devenir un imam, c'est-à-dire celui qui dirige une mosquée ou alors une communauté, doit passer par un cursus, un long chemin. Tout d'abord, premièrement, celui de la mémorisation du Coran. Et ensuite, donc, quand on dit la mémorisation du Coran, ça inclut aussi la bonne lecture du Coran. Et la finalité de cette étape, c'est d'avoir la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle Al-Ijaz. Puis ensuite, on y adjoint une deuxième matière qui est la langue arabe avec toutes ses composantes. Puis, quand le Coran est validé et la langue arabe est validée, on y ajoute aussi la jurisprudence, c'est-à-dire les statuts religieux, de savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, les verdicts religieux. Donc, ainsi l'étudiant en religion, il devient imam. Et ensuite, pour que l'imam devienne un faqih, alors il approfondit encore plus les matières de jurisprudence jusqu'à maîtriser les différentes matières de jurisprudence, mais aussi maîtriser la méthodologie d'une école ou de plusieurs écoles. Ensuite, on a le savant. Donc, c'est un niveau au-dessus qu'on pourrait appeler al-mufti, celui qui fait la fatwa. Donc, c'est celui qui maîtrise, on n'en discute pas, et qui est même un spécialiste de jurisprudence dans toutes ses composantes, c'est-à-dire il connaît les verdicts, mais il connaît aussi les sources des quatre écoles. Et là, il est arrivé à ce qu'on appelle le palier de l'ijtihad. Il maîtrise ce qu'on appelle le palier de l'ijtihad. Et il est capable, il a la capacité de répondre aux problématiques nouvelles et de donner des avis religieux nouveaux. Donc, si on résume, les imams, les fuqaha et les savants, premièrement, sont des gens investis totalement. Et aussi, donc deuxièmement, ils apprennent les verdicts juridiques. Troisièmement, ils comprennent la méthodologie de la jurisprudence. Et quatrièmement, ils la font fonctionner. Et cinquièmement, ils diffusent. Et sixièmement, ils l'enseignent et ils transmettent ce savoir
والحمد لله رب العالمين. Concernant la dernière question qui est quelle science se trouve chez nos savants musulmans traditionnels? Donc il y a tout d'abord les différentes sciences relatives à la langue arabe et à la littérature arabe. Ensuite, on a les différentes sciences relatives à la jurisprudence, les différentes sciences relatives au Coran, donc son histoire, ses règles, ses lectures, son exégèse. On a aussi, donc quand on parle de matière, il y a des subdivisions et chaque matière doit être validée. C'est très important. On a aussi les différentes sciences relatives à la tradition prophétique, la sunna, les hadiths par exemple sont composés de sept matières. Certaines matières, une matière qui concerne par exemple la terminologie, mustalah al-hadith. Ensuite, on a d'autres matières qui concernent le texte en lui-même et d'autres matières qui concernent les chaînes de transmission. On a aussi les différentes sciences qui sont relatives aux méthodologies de compréhension dans la jurisprudence. On a des différentes sciences qui sont relatives à la jurisprudence et aussi la philosophie qui, au fur et à mesure, s'est adaptée et les savants musulmans ont su l'appréhender et se l'approprier et en faire une des sciences de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walhamdu lillahi rabbil alamin.